C'est Stesco, je suis fier de mon petit quartier. Là, il nous rend, trop fiers dans notre quartier et tout. 4-5, il lève à mort, il a que 16 ans. Là, vous voyez déjà, j'ai vu sa première vidéo, je suis choqué. Un petit comme ça, il a 16 ans, il casse les bécanes, ma gueule, je suis choqué. Bon, même moi, je pourrais jamais faire ça. Voilà, je suis choqué. Voilà. Aïe, 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 voilà mon gars, t'as de l'expérience. Voilà. Il soutient dans la cité et tout. Passe à mon tarchi, il y a de la frappe et tout, ma gueule. Voilà. Écoute. Quoi que tu sais, on s'en bat les couilles. On représente le 4-5 sur le matricule. Bande d'enculé. Même sur la plaque, 4-5. Non, c'est carré, 4-5 ma gueule. Brah, subtilise. Comme vous avez vu certainement en vidéo, là, regardez la deuxième, ça arrive, lourd, partagez. Lourd. J'ai 17 ans, j'habite à Villemandeur, dans le 45, et je fais de la bécane depuis que je suis petit. Puis à peu près, j'ai commencé à 5 ans. Et là j'en ai 17, je suis toujours pas lâché, je suis en 2000 ZF, je commence avec un quad. Ma mère, à chaque fois que je sors la bécane, m'appelle toutes les 20 minutes. Et elle sait que tu fais une interview là? Ouais bah oui. Tu l'as dit? Ouais, je lui dis je fais une interview. Et elle m'appelle toutes les 20 minutes, ouais tu fais quoi et tout, t'es où? Et des fois elle veut même venir. Et alors, en mode elle s'inquiète à mort, mais elle est contente, tu vois. Elle est contente de ce que je fais, elle est contente de ma vidéo, on a tous regardé ma vidéo. Toute ma famille l'a vu la vidéo, mes potes, tout le quartier l'a vu. Tout le monde trouve ça dangereux entre guillemets parce que dans ma famille j'ai un oncle ou deux qui savaient lever, qui faisaient des trucs mais pas comme ce que je fais. Donc ça les inquiète un peu. Mais bon après pour l'instant il n'y a pas eu de casse, de pète, il n'y a rien eu pour le moment. J'espère que ça va continuer. Moi c'est simple, j'ai mes oncles, ils ont tous fait de la bécane. Et quand j'allais chez eux à Roubaix, ils avaient tous des bécanes et avec leurs potes sortaient leur bécane à chaque fois. Et en mode, à chaque fois que je les voyais, ceux ils m'ont mis dans la bécane, je les voyais, je kiffais. Ils m'ont emmené dans un camp, ça s'appelle le camp des Indiens. Ils brûlaient leur bécane là-bas et après ils m'ont acheté un quad. J'ai commencé à faire du quad, après je suis monté sur les dirt. Après j'ai acheté mon premier cross, un 85. Après je ne me suis plus arrêté. Mais c'est grâce à mes oncles, c'est eux qui m'ont mis dedans. Bah après les courses poursuites avec la police, ça c'est un rituel on va dire. Ça c'est quand on sort notre bécane, on sait très bien on va faire des courses poursuites. Mais après on essaie de faire le plus attention possible, tu vois. Et après, les gens ils croient trop, on est dangereux, etc. Mais non, on sait quand même ce qu'on fait. Après, il faut juste avoir, faire le plus attention possible. Pas rouler où il y a de la circulation, où il y a des gens, où il y a les feux rouges, etc. Nous, c'est plus la zone industrielle, où comme je t'ai dit, on roule au quartier, de temps en temps, tous les dimanches à peu près. Et après, les keufs ils nous courent, à chaque fois, c'est comme ça, ils veulent rien entendre. Même nous donner un petit bout de ligne droite pour qu'on puisse lever les dimanches. On avait une zone industrielle, ils veulent plus qu'on y va. Bah après, on est obligé d'en faire, hein. C'est comme notre passion. Moi, je suis au lycée, professionnel. D'accord. Je suis en froid et clim. C'est ma deuxième année, là. Puis c'est tout, à part ça, je fais rien. Bang bang. La prochaine vidéo, ça va être un T-Max. Restez branchés. C'est un T-Max. La ville maintenant il va lever un T-Max là. Bientôt. Quand il aura 18 ans. 18 ans. 18 ans. Ça arrive là, bientôt.